Hello tout le monde, c'est Enora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour de One Step After Fall, un jeu développé par TBGS Indie Studio et édité par The Bergson's Game Studios. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe, let's go! One Step After Fall a augmenté 2000G et cette vidéo va donc vous montrer comment passer de 3000 à 4000G en moins de 3 minutes. C'est parti! Première figurine de zombie à ramasser, ouais, ici sur cette pancarte, film. vous sélectionnez la zombie grâce à RT et ensuite vous pouvez la glisser dans votre poche. Donc take avec RT. Voici donc votre premier succès qui s'appelle Frontline. On va se rendre ensuite vers la tour. Nous allons monter au deuxième étage. Alors vous voyez là, je cours. Pour courir, rien de plus compliqué. Vous appuyez sur LB. Ici, donc, vous allez monter sur la tour. Vous appuyez sur RT pour monter l'échelle. Vous faites pareil avec la deuxième échelle. Et ensuite, vous verrez, il y aura la deuxième figurine sur l'étagère où se trouvent des livres. Tout à gauche, donc, sur cette étagère. Euh, voici donc notre euh, deuxième figurine. On va pouvoir maintenant redescendre. Pour cela, vous faites très attention, sinon vous risquez euh, de sauter dans le vide. Donc pareil, RT pour descendre tout en sélectionnant l'échelle. Et ensuite, on va marcher un peu tout droit jusqu'à tomber sur un lac. Et dans ce lac se trouve un caillou sur lequel sera posée notre troisième figurine zombie. Donc je vous montre comment faire. Vous descendez et vous allez... Tout droit. Donc, partez un petit peu effectivement sur euh, la droite. Et puis il y a une sorte de petite rivière. Donc, ici, on va suivre gentiment cette rivière. On va monter un petit peu en hauteur jusqu'à traverser des bois et jusqu'à tomber donc effectivement sur un chemin de terre. Et sur ce chemin de terre, vous voyez ici, il y a un lac sur votre droite. Vous allez donc pouvoir sélectionner la troisième figurine qui se trouve donc là sur ce caillou. Parfait. Revenez un petit peu en arrière. Voilà, continuez à suivre un petit peu le chemin. Et euh, essayez d'aller tout droit. Tout droit, vous verrez donc la grange qu'on connaît bien. Donc, vous la voyez un petit peu au loin. Dans cette grange, sur la table qui se trouve à l'intérieur de la grange, nous avons notre quatrième figurine. Et nous allons pouvoir débloquer le succès Walking Arsenal. il y a une tranche de pain là ça me donne faim allez. ensuite vous allez pouvoir partir sur la droite il y a une porte vous allez ensuite partir sur la gauche longer un petit peu la falaise vous allez rencontrer un épouvantail notre ami l'épouvantail qui se trouve effectivement un petit peu plus loin ici et vous allez continuer donc tout droit tout droit, vous allez tomber sur une sorte de puits pique-nique table, on ne sait pas trop ce que c'est, voilà, un puits plutôt condamné. Et enfin, votre cinquième figurine. Et voilà, donc 1000 G en moins de euh, 3 minutes, c'est parfait. On espère et on croise les doigts que One Step After Fall continue sa progression et nous proposera très prochainement 1000 G supplémentaires pour atteindre les 5000. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo, à la partager ou à commenter. Je réponds très volontiers à vos questions. Rejoignez-moi sur Twitch je suis également sur Twitter. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao